Eh bien salut à tous la Team Zen, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Semaine 7, saison 10, esprit d'équipe. Aujourd'hui il faut aider votre équipe avec 5 éliminations. Donc au total vous allez devoir tuer et aider à tuer 5 personnes. Donc aider à tuer ça consiste en quoi? Il faut que quelqu'un soit en train de se battre et que vous alliez les aider à terminer le boulot, si je puis dire. Puisque dans tous les cas il faut que les personnes touchent votre adversaire avec vous, puisque sinon vous allez, ça va pas valider l'aide tout simplement les gars. Alors on va chercher des adversaires qui sont en train de se faire taper par vos potes. Là j'ai des adversaires mais ils se font pas taper, donc je sais pas. Alors c'est pas trop ce qui m'intéresse. On va aller vers là-bas. Voilà, là il y a vos adversaires. Bon, ça c'est pas trop. Il se faisait taper par personne, donc ça m'invalide pas. Ça m'invalide pas mon défi, tout simplement. Lui, il était en train de se faire taper par quelqu'un, donc normalement ça valide le défi, puisque quelqu'un était déjà en train de le taper, les gars. Donc c'est aussi simple que ça. Vous cherchez quelqu'un qui se fait taper par un de vos coéquipiers et vous l'aidez à le tuer. Même s'il est déjà mort, il faut l'aider à le tuer. Donc, comme lui par exemple, lui il était en train de se faire taper par un de vos potes, vous le tuez. Ça valide votre défi. Donc les gars, il faudra répéter cette étape 5 fois. Donc aider 5 fois vos coéquipiers à tuer des adversaires. Moi je me sers de la foire d'empoigne parce que c'est un peu le bordel, donc ça m'aide un peu à tout valider. Et rien de plus simple que du coup, quand il y a des tas de gens qui se battent, que tirer dans tous les adversaires au pif, entre guillemets, pour valider votre défi. Donc voilà les gars en quoi ça consiste ce petit défi. N'oubliez pas d'aller checker sur ma chaîne tous les autres défis de cette semaine si vous avez besoin d'aide, parce que je les ai tous fait comme d'habitude. À checker également la nouvelle boutique avec le nouveau vote disponible. Vous allez pouvoir voter pour votre skin qui est de retour. Donc n'oubliez pas d'aller checker ça. Donc, je vous dis à tout à l'heure ou à demain. N'oubliez pas le code créateur, Telmo-Lopez, et de rester zen. Salut à tous.